dans le but de tester la simplicité de sa documentation et la facilité d'intégration de sa solution de paiement en ligne, une fintech a mis en compétition des écoles évoluant dans le développement d'applications. Ce samedi 23 avril 2022, ce sont les meilleures écoles de technologie qui se sont affrontées à l'occasion d'un hackathon organisé par la fintech SynetPay. Cette compétition avait pour thématique de développer un site d'e-commerce intégrant les solutions de paiement mobile Money. At le challenge, les écoles ESATIC, INF, INT, ainsi et MIAGE ont été constituées de 4 membres par groupe. Ces équipes ont été guidées et accompagnées dans leur mission par des mentors, eux-mêmes développeurs d'applications. C'est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les technologies de l'application Programme Interface, API. L'objectif de cet hackathon, c'est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les technologies de l'application Programme Interface, API. Une technologie qui permet d'interconnecter deux systèmes d'information. Le but, c'est de leur permettre de créer un site de e-commerce et de montrer comment ils peuvent encaisser des paiements dans plus de 165 pays dans le monde entier avec les API de SynetPay et vendre leurs produits à plus de 200 millions d'utilisateurs de mobile money dans les 9 pays d'Afrique francophone. Lire aussi Economy, une fintech panafricaine, annonce le lancement de son nouveau guichet de paiement en ligne. Nous sommes là aujourd'hui pour les aider. Leur montrer comment cela fonctionne, a expliqué Idriss Martial-Mon, CEO de la fintech. Avant de poursuivre, pour qu'à la sortie de leur étude, ils soient aptes à pouvoir accompagner les entreprises qui vont développer les sites de e-commerce qui vont souhaiter vendre en ligne. Stage au sein de la fintech. Il a aussi indiqué qu'à la fin de ce concours, la meilleure équipe remportera des lots, notamment, un stage de perfectionnement au sein de l'entreprise. À la fin, il y aura un vainqueur, donc il y a des prix. Mais le plus important, c'est d'offrir à cette équipe gagnante là un stage de perfectionnement au sein de notre fintech et peut-être à la fin de ce stage pour nous permettre de développer la société.